Salut les déconfinés, aujourd'hui entraînement. Je vous avoue, mon corps il est vraiment fatigué. J'ai fait énormément de sauts dernièrement, j'ai bougé énormément. J'ai mal aux genoux, j'ai mal à la cheville, j'ai mal aux muscles. Mais n'empêche que je me suis dit, je pouvais pas rester à la maison, je pouvais pas ne rien faire ou me reposer. Tant qu'à me reposer, autant m'entraîner. Moi j'avais un prof de taekwondo à l'époque qui était un ancien para de l'armée qui me disait: tant que tu n'es pas au sol, que tu ne peux plus bouger, tu peux continuer de t'entraîner. Et là, j'applique exactement ce qu'il est en train de me dire. Donc, merci à ce grand monsieur qui est devenu mon second papa et qui me permet aussi de venir ici vous montrer un petit peu un spot que j'ai trouvé, que je trouve bien sympathique pour faire du bon renforcement. Il y a sûrement Vintage qui va venir me rejoindre un peu plus tard, potentiellement aussi Clément des Hits de Rhodes en fonction du temps qu'ils ont. En attendant, moi, je vais m'amuser, je vais m'entraîner et je vais vous montrer ce que ça donne. Let's go pour le vlog, on a déjà trop parlé. J'ai vraiment plus d'énergie, j'ai plus de muscles, j'ai plus rien. Ouh. De s'entraîner, même si on est fatigué, c'est important aussi. Mon prof de taekwondo, c'est un ex-para de l'armée avec une hanche en titane qui me disait tant que t'es pas allongé par terre et que tu peux plus bouger, t'es capable de t'entraîner. Et je dois avouer que j'en suis pas loin là. J'ai plus d'énergie, j'ai des courbatures, j'ai pas arrêté de faire des vidéos pour vous et pour moi d'ailleurs surtout. Ce qui fait que je suis fatigué. Trop léger. Ce que je kiffe dans le parcours et dans le freerun, c'est que c'est juste pour s'amuser et que peu importe ce qui se passe, en fait l'idée c'est vraiment juste de kiffer, de renforcer son corps et puis au pire être fort pour être utile. Un peu le mojo de la philosophie du délire en tout cas. Ok, on va travailler un petit peu la détente, même si j'ai un peu mal à la cheville et aux genoux, je vais essayer de pousser un peu plus jambe droite, histoire de monter à peu près cette hauteur là quoi.
moment du changement de spot. Direction un truc juste à côté que j'aime beaucoup aussi. Pour un petit entraînement pépère, ça va le faire. Toi, t'es arrivé pile au bon moment, quoi. Yo les copains, j'ai Vinou qui vient de me rejoindre sur ce super vlog. Et il y a Clément, des copains des Hits de Route, qui nous rejoignent aussi. C'est vrai ça? Ouais, Clément, il nous rejoint, donc ça fait plaisir. On va pouvoir s'entraîner à la dure, sachant que je suis déjà bien fatigué. Et ben là, on va pousser un peu les petits muscles. Ils vont pousser les petits. Et toi, tu vas te reposer. Ouais, c'est passer un bon moment ensemble, c'est important, surtout pour l'entraînement. Ça va être la source de motivation, le mec. Vas-y, tu peux y arriver encore. Bootcamp, comme à côté, là. Sauf qu'il a, il a un peu plus de muscles que Monsieur CrossFit. Regardez, je m'ai fait une cloque, toujours sur les cordes, les murs jamais ils me font des cloques comme ça, les murs ils frottent un peu, ils poncent un peu la peau, mais jamais ils me font des brûlures. Les murs c'est tes amis. Bon bah c'est cool, il y a les copains de Hits de Route qui vont nous rejoindre, il y a Clément et Paul qui vont débarquer. Il y a plus que 17% sur cette GoPro là, je vais switcher sur la 360. Puis on va essayer de garder un peu de muscle là pour les frérots, histoire de s'entraîner un peu avec eux. Et bah on a les copains de Hits de Route qui sont arrivés, qui sont en train de se faire un petit échauffement sur le mur là-bas au niveau grimpe. On va
va aller se poser. Le vintage il est blessé donc il peut pas trop bouger. Mais bon, sympathique. Faites gaffe, il y a une grosse araignée là. Bon bah voilà, j'ai emmené les copains sur le dernier spot. On va bouger un petit peu ici. Il y a Paul qui nous fait une petite grimpe. Il y a Clem qui repère un petit saut là. Et il y a Vintage qui s'assoit. Yes. Yo, fin du vlog, on vous fait des gros bisous. Merci les copains d'être passés. Plaisir mec. N'oubliez pas de vous abonner à tout le monde. Hasta luego. Hasta luego. Cool.